Carl connaissait maintenant le docteur Beaupré. Ses affaires et son décor lui avaient parlé. Mais ce que Carl avait entendu l'inquiétait. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche! Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. C'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Vois que t'as pas mieux à faire. Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Et... Hé, la Corrivo, batèche. Ça te passe l'envie de te marier, la Corrivo? Elle tuait tous ses maris. Squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Oyez, 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 il y a un truc à la maison.